Enlève la sauce, peut-être. Qu'est-ce qui se passe ici? On s'habille, papa. Shanga. On s'habille? Oui. Shanga, je sais pas, c'est la chose. C'est quoi ça? La police. Hmm? C'est quoi ça? Pas lui. Tu veux pas lui? Ça passe à chaussa isodai. C'est un chandail. Oui, mais c'est un chandail. Okay, c'est range-le. Mets-le ici, bébé. C'est Mila qui le met. Oh! Moi, ça chaud, ça pas une gars. Ça passe à chaud. Toi, ça, tu. C'est quoi tu fais? Tu te brosses les dents? On plie, on met ici. Elle est sûre qu'il va porter ça. T'as fait des beaux dodo aujourd'hui? Oui. Maman, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu dis, bébé? Oh, bébé, là. Oh, bébé, oui, ça c'est bébé. Mais qu'est-ce qui se passe? Bébé. Il est tout nu! Ah, tu vas l'habiller? Non, ça passe à tout. Oui, ça c'est Alessio, ça c'est pas un bébé. Un chaud, ici. Couche avec bébé. Oh, mon Dieu. Viens ici. Allez, viens ici. Check-le. Oh mon Dieu, aime pas ça, hein? Ok. On se déshabille. Oh, oh le putain, t'es pas ça! Dans une nouvelle vidéo, si t'es nouveau, oublie pas de t'abonner tout de suite, parce qu'on sort des vidéos à chaque semaine. Et aussi, c'est vrai, oubliez pas d'activer la petite clochette pour recevoir une notification quand on poste un nouveau vidéo. Ouais, comme ça, à la fin, ben, on fait des shout-outs. Puis ceux qui veulent faire partie de nos shout-outs à la fin, ben, c'est important de l'activer parce que tu vas être les premiers. Puis les premiers qui commentent, c'est ceux qui ont la chance de se faire featurer à la fin. Oui! Donc, aujourd'hui... Oui, ça va être une petite vidéo de notre quotidien. Non. Ouais, ben là, c'est pas vraiment notre quotidien, parce qu'on est pogné à la maison. Ouais. Ben, en quarantaine, fait que... Je pense que c'est rien de nouveau pour la planète, là, d'être à la maison, fait qu'on va arrêter de le dire à partir de maintenant dans nos vidéos. Non, c'est ça. Parce que je pense qu'on est tous pognés à la maison. Ouais, fait que c'est un petit vidéo bien relax à la maison. On a acheté un petit jeu, tu veux-tu leur montrer? Ouais. C'est comme ça. C'est un jeu d'empreinte de main. On va faire l'empreinte de main de nos enfants parce qu'on veut garder un petit souvenir de leurs mains. Que c'est quelque chose qui est cool que vous pouvez faire chez vous aussi. Kelly a acheté ça au Dollarama, mais c'est pas une pièce. Hein? C'est 4$ au Dollarama. Ouais, il n'y a plus vraiment grand chose à 1$ au Dollarama, mais bon. On joue pas au ballon. Au luminaire, il est fermé. Sérieusement? On joue pas au ballon à la maison. Non, okay? Vraiment pas. Bon. Alessio, est-ce que tu veux ça? Écoute. Dis merci. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Toi, qu'est-ce que tu manges? C'est quoi ça? C'est quoi? Tu écoutes tes bonhommes, tiens. C'est...
fais un petit TikTok. Tu vas faire tes empreintes de tes mains, Dominique? Non. En passant, c'est écrit 5 ans et plus, je viens de remarquer. Ouais, là, c'est marqué 5 ans et plus, là, mais c'est pas grave parce qu'on va être ici pour les superviser, ces petits cocos. Je sais pas si tu écris ça parce qu'il faut qu'il reste longtemps avec la main là-dedans. Je sais pas. C'est une bonne question. Oubliez pas que le jeu de plâtre peut tacher. Sérieuse? Donc, utilisez avec précaution. Oh my god. Pourquoi on fait des affaires qui s'allient tout le temps? Tout le temps. Alors qu'il faut rester combien de temps? Ça dit 2 à 3 minutes, puis il faut pas bouger. Mais là, à l'essou, c'est impossible que je fasse sa main en 2-3 minutes, pas bouger. Fait qu'on va y faire son pied. Son petit pied. Puis Mila, je sais pas. Qu'est-ce que tu penses, B? Mila, tu vas mettre ta main ici? Non. Et tu mets ta main ici? Non, ça fait nos mains. Regarde, on va faire comme ça. La main, regarde, la main, la main. On va peut-être commencer par Alessio. Ouais, on va faire Alessio en premier. Mélanger l'eau avec la poudre de gel pour obtenir une consistance lisse en remuant vigoureusement pour enlever les grumeaux. La chimiste. Oh, wow! C'est cool, Mila! Regarde, bébé. Regarde, c'est cool! Ça va être long, brasser le même. Je pense que j'ai pas mis assez d'eau, hein? Ben, d'eau aussi! Ça tâche, hein? Ça tâche! Merci, Mila, de me le faire rappeler. Ça tâche. Ah, oh, toi, tu vas regarder la télé, hein? On va tourner vers la télé. Tiens! Moi, ça te dit de me dépêcher parce que ça solidifie en très vite. B. C'est brassé, hein? Puis on va essayer de mettre le pied à Alessio. T'es prêt? Ouais, go. 1, 2, 3. Il faut qu'il reste 2. C'est impossible! C'est peut-être pour ça que c'est écrit 5. Alessio, bouge pas, bébé. Attends. Bouge pas. Une minute. Tu vas me faire lever sur mon pied. Oh! Oh my god. La caméra. Dans le plat. Ça, là. C'est impossible. Moi, je pense que la vidéo va être un film. Mais non. Check, ça commence déjà à changer de couleur. Oh, mais arrête pas de bouger. Oh, mais attends, laisse son pied. Même pas un beau souffle. Oublie ça, mais... Ben, gars, ça fait un beau trou! Non, mais attends, là! Essaye! Ben, attends, là, je vais essayer de me mettre le... Oh, non, là, c'est pire! Oh, non! Oublie ça! Ça marche pas, ça fait, là! OK, le son de vie, quand ça marque 5 ans et plus... C'est vraiment 5 ans et plus! Essayez pas avec votre petit de 8 mois, ça marche pas! Numéro 2! Ouais, là, c'est prise 2. On va essayer de le faire avec Mila. Mais Mila, elle a pas encore 2 ans. C'est marqué 5 ans. Prise 2. Prise 2. J'espère que Mila, elle va le faire. Parce que sinon, ben, c'est triste. Pib, ça fonctionne? Ça avance, ça avance. Mila, mets la main. Mais Mila, bouge pas, hein? Faut pas bouger. OK, reste. Comme ça. C'est ça. Oui, c'est cool! C'est cool! Regarde, waouh! Ça sera pas l'air de venir. OK, Mila va manger des popcorn après? Oui. OK. Ça va être beau, hein, Mila? Oui. Allez, allez, vas-y. Oui, bébé. Allez, fais sèche. Dis sèche. OK, doucement. C'est cool! Non, oh! Wow! Elle a peur! Oh.
C'est juste la main. C'est juste la main, Amila. On va mettre du savon. On va laver la main, Amila. Elle voulait dire frotte. Ça sonnait pas frotte, ça, Amila. Dis tout de suite. 5 ans inclus. Sinon, vous allez avoir des petites crises comme ça. Mais c'est pas parce qu'elle a une peur de sa main. Ouais, elle a peur de sa main. Mais au moins, on a réussi à en faire une. Ouais. Elle a aussi oublié ça, ça n'aurait jamais marché. Je peux retirer le... Fait que là, il faut après mettre le coulis dessus. Ouais, mais là, on va le faire sans assistance, enfin. Bon, hey, Coco! Coco! Toi là, hein, tu veux juste te pitcher à terre, hein? Hein, Bibi? Hein, Bibi? Bibi! Fait que là, tu vas mélanger l'eau avec le plâtre. Ben là, on s'en va faire du plâtre dans le fond. Avec ta petite cuillère de... De bébé, mais c'est parce que je me suis dit, je veux pas utiliser... Et my. Je veux pas utiliser de quoi, genre, que je vais réutiliser. Fait qu'au moins, ben, je vais jeter ma petite cuillère après, ouais. Pris la relève parce que ça, c'est un petit peu dur. Puis ça se passe comment? Ça se passe bien. Ça disait lisse et consistant. Ok. Je suis plus sûr, là. C'est peut-être pas assez. Shit. Peut-être très pâteux aussi. Oh oh. Peut-être pas mis assez d'eau. Mais non. Ça disait jusqu'à rabarber. Je sais pas, mais pourquoi que genre des bulles d'air? Je sais pas. J'ai tellement hâte que l'été arrive, ça n'a pas d'allure. Placer notre set patio, tout le kit, puis que cette neige-là disparaisse, là, ça serait vraiment, vraiment cool. Ah, regardez qui est de retour. Ouais. Aussitôt que la neige part, là, on va setter notre patio. Ça va être bien le fun, faire des petits soupers à l'extérieur. Ça va être bien le fun, ça. C'est bientôt prêt. Okay. J'ai mon aide cuisinier. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc là, j'ai fait mon petit basmati. Je suis en train de faire une bonne salade. Une petite salade? Oui. OK. Avec le riz. Le riz. Paste. Puis... Moi, je vais continuer les steaks dehors, dans le barbecue. Là, déconcentre-toi pas, B, là! Non, je vais essayer de pas me déconcentrer. Puis, moi, je les aime médium saignant. Ça, c'est bon. Elle aussi, elle les aime médium saignant, ouais. Je pense. Pour vrai, au début, j'étais pas trop médium saignant quand j'ai commencé à sortir avec Alex. Mais maintenant, je suis médium saignant. Vous, c'est quoi vous aimez, si vous aimez les steaks, là, bien sûr. Médium saignant, bien cuit. Bravo! Bravo! Dites dans les commentaires comment vous donnez votre steak. Gang, le souper était vraiment bon. Oui, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas mangé de barbecue. Ben, dans le fond, jusqu'à l'été passé. C'était texte. C'était vraiment bon. Puis là, il faut aller voir notre plâtre avec la main. C'est sûr qu'il est sèche, là. Avec la main Amila. On va voir la main à ta soeur, bébé? Ouais. J'espère que tu le casseras. Oh, j'allais dire, j'espère que tu le casseras pas, mais c'est facile. Il a.
Oh, c'est cute, mais je pense que c'est pas totalement. Qu'est-ce que tu fais? Fais pas ça. Ah oui? Il faut que tu le causes. Sérieux, B. Tu sais, en plus, elle dit, oh, c'est cute. Tu sais, c'est ça. C'est tellement cute, mais B. C'est fake déjà... ton affaire. Fake. Really fake. Non, mais tu sais, je me suis dit, sa petite main. Non, faut que tu le brises. Mais tu vas le briser au niveau de la main. Impossible. Ben oui, je pense. Ben non. Lis-toi les instructions. Instructions. Je te le dis. Ah non, je comprends. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Faut enlever ça. Ben oui, j'allais tout briser. Faut t'enlèves ça. Le pitcher à terre. Non, mais sérieusement. Bon! Oh là. My god, là, c'est vraiment cute. Oh, oh mon dieu. C'est vraiment, mais vraiment cute. Je veux voir. C'est la petite main à Milan. En plus, elle est toute comme boursouflée. C'est vraiment sa petite main de grosse souillette. Oh mon dieu. Oh my god, mais c'est trop cute. Il faut vraiment le faire à l'échio. Alessio, faut te le faire. T'es supposé bébé. Le briser, là. Non! Ben oui! C'est pour faire un porte-clés. Mais comment tu vas briser ça? Ben, va lire les instructions, s'il vous plaît. C'est tellement beau que je préfère le garder de même que. Mais non, ça reste pas de même. Je pense pas que ça reste de même. Ben, B, tu voulais le lancer à terre pour enlever ça. Fait que, impossible que. Ben. Ça serait plate que ça brise. Hein? En tout cas, il est vraiment beau. Dites des commentaires s'il faut briser ou pas, là. Mais on mais va le laisser. Je pense pas qu'on peut attendre. On va le laisser de même pour un bout. S'il faut le briser pour genre laisser juste la main, laissez un commentaire. Parce que là, je sais même pas où le petit papier. Oh my god. Ah, pas le pouce. Au pire, vole par là, là. C'est vraiment un beau souvenir. Oh wow. J'ai peur de se briser une main. Une main, un doigt. Ça, on peut le refaire, là. Non. C'était vraiment cute, B. Hey, ça fait bien peur. Oh, tu vas casser le beau souvenir. J'aime pas ça. Je préfère le garder de même, moi. B. Oh my god, tu vas casser un beau souvenir. C'est je même sûr. Voir. Je comprends pas comment il faut non, briser B. ça. Non, B. Arrête, là. Ça fait trop peur. On va le laisser de même. Dites des commentaires si on est supposé comme ouais, tout dites-nous enlever. Quoi faire parce que la façon qu'Alex fait, je suis sûre que ça fonctionnera mais pas. Mais c'est cute. C'est cute. C'est vraiment cute. Il faut en faire un à Alessio. Un bébé. Alright, guys. Donc, j'ai été voir dans le la livre. Boîte. La boîte. Ouais. Puis, ça a l'air qu'il faut attendre 48 heures avant de le briser. Une chance qu'on l'a pas fait. Mais j'ai rien brisé, fait qu'on va attendre. Puis peut-être en live, on va essayer de le faire briser totalement. Parce que j'ai vraiment peur de briser sa main, parce que sérieusement, elle est vraiment bien. Elle est vraiment cute. Vraiment cute. On voit toutes ces petites traces, puis oui. Tous les... C'est vraiment... C'est cute. C'est bien fait, là. Ouais. Fait que pour une petite affaire à 4$, ça vaut la peine. Ça fait ouais. Un petit souvenir. Surtout si on a 5 ans, 6 ans, là, les enfants, c'est ben check, fun. Mila, ça a fonctionné, là. Ouais, mais à chialer. Ouais, mais t'sais. C'était dur. C'était dur. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça dans notre petit quotidien. Oui. Fait que si t'as aimé ça, ben lâche un petit pouce bleu, like la vidéo. Puis abonne-toi, active la petite clochette. Et commentez comme ça, vous allez être dans les shout-out. Et justement, parlant de shout-out, on va au shout-out. Alors, moi, mon shout-out, il va aujourd'hui à Océane Julien, qui a écrit « Vous êtes tellement une famille inspirante. J'ai toujours hâte à vos prochaines vidéos. Oh, » Merci, gentil. Océane, c'est gentil. Mon shout-out va à Alexia Bouchard. Elle a dit « J'aime tellement vous voir rire et s'amuser. J'adore vos vidéos et vous-même. Continuez de même, la belle petite famille. Vous êtes les meilleurs. » Oh mon Dieu. Dès que je vous ai vu sur TikTok et YouTube, je me suis abonnée tout de suite. Woohoo! Merci, c'est vraiment merci gentil. Merci beaucoup, gang. Soyez prudents et on se voit dans une prochaine vidéo. Oui, ciao! Merci.